masque. Alors, le masque, effectivement, a toujours été justifié pour des personnes qui ont des symptômes. On le recommande dans la tuberculose, dans différentes infections respiratoires. Quand un malade tousse et qui crache pour ne pas disséminer dans la pièce, dans l'atmosphère autour de lui. Et pour les personnes qui sont en contact étroit, en premier lieu, les soignants. Quand un tuberculeux vous crache dessus, ben c'est bien que le tuberculeux ait un masque pour ne pas disséminer dans la pièce et que le soignant ait un masque. Donc il y a des règles qui existent depuis longtemps, comment utiliser un masque, et c'est tout à fait justifié dans certaines circonstances. Maintenant, ce qui me semble totalement ahurissant, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on oblige, vous rendez compte, on oblige sous peine d'amende des Français à porter un masque dans la rue, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Et si vous regardez, même l'OMS quand même, l'a écrit encore il y a quelques jours en disant « le masque est totalement inutile chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes ». Et pourtant, notre ministre, notre gouvernement continue à nous imposer le masque et l'impose aux enfants, ce qui est terrible, parce qu'il y a des études qui montrent que les enfants peuvent... peut-être avoir un peu de virus, mais ils ne sont pas des gros transmetteurs, ils sont rarement malades, et en tout cas, à part quelques formes exceptionnelles, ils n'ont jamais de forme grave. Donc voilà, on impose le masque comme un dogme pour nous bâillonner, je dirais, mais ça n'a aucune justification scientifique. Et il y a même une étude au Danemark sur des milliers de gens qui a comparé des gens qui portaient un masque, pas de masque, il n'y a pas plus de contamination dans le groupe qui n'a pas de masque. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas un anti-masque, le masque a des indications précises que j'ai dit tout à l'heure, mais le masque en population générale, surtout dans la rue, n'a strictement aucun intérêt. Alors, vous parlez des masques, vous parlez des tests. Bon, on va pas éplucher toutes les mesures les unes après les autres, sinon on y sera encore demain. Vous parlez surtout de la chloroquine et du protocole Raoult en disant que finalement, la moitié aujourd'hui de la planète s'est ralliée véritablement à cela. Ben. Et c'est pas moi qui le dis. Maintenant, depuis que j'ai écrit le livre au mois de juin, maintenant, il y a plus de 100 études dans le monde qui confirment la superbe efficacité de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine qui même seule marche bien. Maintenant, il y a des nouveaux médicaments qui marchent, l'ivermectine. Il y a des études randomisées parce qu'on nous dit, ouais, si l'étude n'est pas randomisée, c'est-à-dire avec un tirage au sort... en comparant des groupes de patients, ça n'a pas de valeur. Là, il y a des études randomisées publiées. On dit non, ça vaut rien. Il y a des études qui montrent que quand les gens prennent de la vitamine D, il y a une réduction de 50% de la mortalité chez les personnes âgées. Le zinc aussi qui joue un rôle. Donc maintenant, il y a plein d'études publiées et je n'arrive pas à comprendre comment la communauté scientifique... se met le masque sur les yeux parce que il refuse de reconnaître cette évidence scientifique. Où sont les scientifiques aujourd'hui? Où sont les scientifiques aujourd'hui? Je ne les vois plus. Ça, c'est effectivement la grande question que vous posez à travers ce livre. Et notamment, il y a tout un passage, moi, qui m'a vraiment surpris sur le « certains savaient ». Alors, sur le « certains savaient », vous avez notamment Buzyn, hein, qui est épinglé, on le sait. Elle aurait dit, Buzyn, elle l'a dit, pas elle l'aurait dit, puisque ce livre est extrêmement bien sourcé. Du reste, on en parlait, hein, il fait 220 pages, mais il y a 40 pages de sourcing dedans. Donc tout ce que vous avancez comme argument, vous l'attestez à travers justement tous ces points. Sur ces points, je suis content parce que quelquefois, vous avez des gens qui ont critiqué le livre à la sortie en disant c'est un ramassis de fake news, mais... Tout ce que je dis, je fais parler les gens, je fais parler les ministres, je fais parler telle autorité, telle personne dans les autorités. Et ils disent tout et son contraire, quelquefois à quelques semaines d'intervalle, mais c'est eux qui parlent, c'est pas moi. Moi, après, je commente et quelquefois, bon, avec un peu d'humour, je m'étonne, mais c'est pas moi qui dis, c'est eux. Et tout ce qu'ils disent est sourcé. D'ailleurs, si j'avais dit des bêtises, j'aurais été attaqué en diffamation depuis le mois de juin, ce qui n'a pas été le cas, parce que je n'ai diffamé personne. Je n'ai fait aucune atteinte au code de déontologie, contrairement à ce que certains essayent de suggérer au Conseil de l'Ordre des médecins. Je pense que le Conseil de l'Ordre des médecins est intelligent et va voir que c'est des racontards et que je n'ai attaqué aucun médecin, personne. J'ai toujours été très respectueux des médecins généralistes, des spécialistes, mais j'ai le droit, en tant que professeur des universités, de dire ce que je pense. Ouais,